tous. Bon, je vous préviens, hein, je suis d'une humeur de merde, je passe un week-end de merde, donc il va falloir un peu sortir le dos du cul et être productif. Rachel, café, s'il te plaît. Je vous préviens dessus. J'ai passé un week-end absolument génial. J'ai fini d'écrire le pilote de ma nouvelle série Rachel à Broadway. Ça va se passer à New York, ça va être super. Oui, bon, bref, Rachel, t'es mignonne, tu nous raconteras ça tout à l'heure, hein, là, quand on se bouge. Peut-être que quelqu'un d'autre a envie de nous raconter son week-end, Barney. J'imagine que t'as passé ton temps à draguer des bimbos à peine majeurs. Non, pas spécialement, mais si tu veux, on pourra essayer la prochaine fois. Toi et moi, bouteille devant. Bon, alors là, c'est dans tes rêves, mon grand, c'est vraiment pas prêt pour une femme comme moi. J'espère que vous avez de meilleures idées que celles de la semaine dernière, parce que franchement, là, cette idée de mec qui tombe malade et qui apprend qu'il a le cancer et qui se met à fabriquer de la drogue, c'est vraiment de la merde. Bon, qui se lance? Vu que vous aviez pas aimé mon speech de la semaine dernière sur la chorale, on pourrait suivre une bande de geeks, leurs aventures, tu vois, le public rirait à leurs dépens, ça serait des petits génétons. Non, mais je change de suite parce que c'est de la merde. Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont regarder cette série-là, oui, avec des parias, oui, associables, qui regardent ça, qui ça fait plaisir. Non, ça, je vous arrête là, de toute façon, si je voulais entendre des gamins se chamailler, j'aurais fait décongeler mes ovules. Vous la fermez. Ce que je veux, moi, c'est un truc unique. Moi, je sais ce qui manque. Du sexe. Le sexe, ça fait vraiment. Du sexe. Du sexe, de la drogue et un meurtre. Non mais c'est très simple, c'est tout con. On fait genre un gangbang. Des gangbangs en famille, du gangbang avec de la drogue. Des gangbangs avec des gens qui connaissent pas. Des gangbangs avec des animaux, du sexe, de la drogue, tout ça. Un gangbang entre des amis, ça commence très bien. Ça peut même être interfamilial. Hein. Genre le père avec la mère, ou le fils avec le père, la sœur avec le père. La mère avec le fils, ensuite le frère et la sœur font l'amour, l'un qui tue l'autre, ils prennent de la drogue. On est pas chez HBO ici, là, donc tu vas changer de disque. Hein, Je suis pas psycho, mais t'as vraiment un problème. Bon, est-ce que quelqu'un a une putain d'idée de storyline à proposer, s'il vous plaît? Moi je l'ai. On prend un truc pourri là, mais on l'améliore. On prend une meuf ultra bonne, bimbo blonde, forte poitrine, qui emménage en face. On revient sur l'équipe, parce que c'est moche. On peut exploiter ça niveau audience. T'es d'accord. Je vois bien genre une blonde canon là, mais un peu conne. Genre une brave bimbo du Midwest. Puis 4 intello, ça peut être pas mal, ça peut être drôle. Ok, bon, j'y réfléchirai. On passe à autre chose. Jess? Ah oui, moi j'avais une idée en fait. Pourquoi on ferait pas une série sur une maîtresse d'école? Tu vois, dans le genre un peu loufoque, hyper rigolote, trop dans son monde. Et là, elle était dans une coloc avec 3 mecs. Ouais, non, attends, en fait, tu nous diras après, parce que je vais pas tarder à vomir si tu recommences avec tes putains de licornes et de paillettes de merde. Bon, en parlant de vomir, Barney, on t'écoute. Très bien. Donc, on va faire une série un peu comme celle de Jess, mais mieux. Parce que, de toute façon, toi, t'as toujours des idées un peu pourries. C'était elle. Peu importe. Vos deux idées, c'est toujours de la merde. Bref. Donc du coup, on va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Ned. Et donc Ned, sa particularité, c'est qu'il explique à ses enfants comment est-ce qu'il a rencontré leur maman. Attends, c'est un mec pathétique. Non, parce que du coup, il y aura des flashbacks et des histoires d'amour. Et mais le vrai personnage principal et central, ce sera le meilleur ami de Ned, qui sera un mec cool. C'est par là Swarly, parce que Swarly, c'est un prénom cool. C'est nice. Non, c'est cool. Et en fait, lui, il fera des blagues, des mimiques, il sera charismatique, drôle, intelligent, il aura des petites punchlines du genre wabada dab dab, bimbo bam boom. Je te parie qu'il va dire extraordinaire. Ou alors extra, attends la suite, extraordinaire. Wow. Ah. Attends. 5 amis, toujours au même endroit. Des colocs, des histoires d'amour, des running gags. Oui. Tu te fous de ma gueule là? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Bah non, pourquoi? Un mec, si je voulais bosser sur un mec de Friends, je l'aurais déjà fait. Hein. Et puis ce soir-là, là, c'est ridicule. Oui, mais c'est ça qui est bien. Ça marche. De toute manière, on voit très bien le truc, ça va avoir une fin nulle. De manière avec toi, c'est toujours mieux les fins, du style la mère est meurt. Pourquoi tu parles, toi? La mère est meurt. Non, mais pour une Et puis, finit avec sa meilleure pote, quoi. Une fois, c'est pas complètement con ce que tu racontes. Vas. Je vous déteste tous. Bah, moi aussi, je te déteste. Moi, ce que je veux, c'est un truc vraiment. Non, moi, je pense vraiment que les Netflix, geeks, ça vous arrivez pas. Tu ne parles que de cul. Sinon, Leslie. C'est de la merde. Leslie. Quoi? Moi, j'avais une autre idée en fait. Pourquoi on ferait pas un reboot d'Harry Potter? Parce que au final, avec la sortie de la pièce de théâtre et tout, puis le spin-off des Animaux Fantastiques, franchement, on pourrait jouer sur la nostalgie du public et c'est le timing parfait, non? Ah, c'est pas mal ça. Y a plein de fric à se faire là-dessus. Avec du sexe. Ouais, ça pourrait carrément marcher. On va rajouter du sexe. Ok, bon allez, au boulot les jeunes, là vous faites chauffer au savoir chef à manger. Oui, et on se fait un point à la fin de la journée. A tout à l'heure. Oui, allô? Oui, non, j'arrive. C'est beau. Il y
Yay! Je te laisse ranger, tu nous rejoins tout à l'heure. Pas trop professionnel. Action.